Par le Christ, notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Bref, par rapport à tout ce que nous venons de connaître comme événement. J'ai connu l'honorable Charlotte Massiala, l'état où j'étais encore étudiant à l'UPN en G1. Elle n'était pas députée, elle était une maman comme toute autre maman. Elle m'avait eu à sa côté pour que nous puissions au moins faire tout ce qu'elle faisait.
Et à l'époque, elle était encore membre du parti RDR du Feu Mongolo-Diaf. En 2006, elle a commencé sa carrière politique où elle avait donné sa candidature comme députée nationale à Lukunga. Mais elle n'avait pas pu réussir. Le temps où le parti était devenu en désordre, il y avait un de ses amis qui lui avait amené là-bas, le fait Willy Lumbwe, qui lui avait dit, nous allons maintenant devenir membre du parti politique PPRD. L'honorable avait dit, en tout cas, moi je ne peux pas aller dans le parti où il y a la corruption. Ça c'est en 2006. Moi personnellement, j'étais à côté d'elle, je dis, maman, quand vous avez refusé le PPRD, est-ce que nous pouvons adhérer à l'MLC? La maman m'avait dit ceci, Ruffin n'a aucun des partis OYO, parce que la corruption était. Ceux qui n'ont vu parti politique était, n'a-t-il ici carrière politique dans Gaïna, au continuer de susciter. En 2009, c'est elle qui venait m'annoncer pour me dire que Bandal Lilo n'a jamais eu, tu continues à partir, mon bazo benga et sidé. Dans le vie, maman, donnez-moi le temps, moi aussi je vais réfléchir. Et grâce à elle, que j'ai adhéré le parti. Décidé ensemble avec le secrétaire général de Vos Kitoko qui fit mon professeur à l'université. En 2018, après les élections, nous connaissons tout ce qui s'est passé, mais ce que j'ai retenu de la maman, même dans la famille biologique, même dans sa famille politique, elle était une personne qui réunissait les gens, qui ne faisait pas de distinction. À tout moment, elle me disait, Ruffin, il faut être fort, il faut tenir, nous avons des ennemis. Mais nous allons faire un effort pour réussir. J'étais surpris. Au mois de janvier, je ne peux pas aller trop loin parce qu'on risque de prendre beaucoup de temps. Au mois de janvier, le 2 janvier, nous étions avec elle à aller dans le Bandundu pour aller implanter le parti. Elle me pose la question, est-ce que tu as eu une lettre de votre exécutif provincial? On s'est vu avec l'honorable Mambo, il m'a donné la lettre et le 5, j'ai quitté. La maman me dira quoi? Ruffin, tel que tu parles, n'allez pas faire beaucoup de temps à Kipit. Je lui ai dit, maman, moi je vais faire au moins 3 semaines. Non, 3 semaines c'est trop, si je dois rentrer, nous avons des programmes pour Lukunga, on doit faire nos descentes dans nos bases. Pour voir, pour que tout ça la moussala. Et je vous dis aujourd'hui, je suis resté avec l'horaire, les programmes que nous avons fait avec elle, pour que nous puissions commencer nos descentes. Elle me dit, Sombelangaka Bakamanyo, Akuna Namoga, Namino Namoni Bakamanyo, et Jaibeli Sombelangaka. Et les derniers jours avant sa mort, elle est décédée le mercredi 24h du matin. La maman m'appelle le jeudi. J'ai senti que la voix ne sortait pas comme il se doit. Et moi, j'étais vraiment frustré de sentir la voix de la maman. J'ai dit, la maman me dit, Ruffin, il faut tenir fort, continuer la lutte qu'on faisait à Lukunga. Tu dois tenir bien, tout ce qu'on a fait à Lukunga, c'est à toi de représenter ça, tu dois faire un effort. Et le même mercredi, pour me réveiller, je dis à madame, là, mais là, on a moins foufou, ok, il faut la vie, maintenant, comme on a vu la bio. De même pensée que moi. Après avoir observé, j'ai vu que, effectivement, je me suis retrouvée à ma place. Alors, j'ai décidé de m'engager dans la FEC. Et à la FEC aussi, j'étais très timide. Quand je viens à la réunion, je me cache là au point. Madame Vinet, vous avez dit votre nom, c'est qui? Moi, j'ai dit, moi, mon nom, c'est Madame Christine. Mais je te vois venir dans les réunions, tu te caches là, qu'est-ce qui ne va pas? Moi, j'ai commencé à lui raconter ce que j'étais dans le passé. Et comment je suis arrivée dans l'opposition et comment j'évolue et ce que j'ai vu, c'est pourquoi j'étais un peu timide. Alors, je voulais d'abord me rassurer avant de paraître parce que dans d'autres endroits, là, j'étais déçue. Alors ici, je me suis décidée de ne pas paraître. Alors, elle a dit non, viens, n'aie pas peur. Comme tu sais que tu es en vie dans les partis, c'est ce que nous sommes. Nous sommes un parti de valeurs. Et comme toi, tu es une femme qui préfère relever, donc qui soutient les valeurs, tu vas te retrouver ici. Alors viens avec moi. Elle a commencé, elle m'appelait parfois, elle m'appelle, je fuis, je ne viens pas. Elle était toujours là, en train de m'appeler, de m'encourager, de me parler, d'essayer
Et elle m'a demandé est-ce que tu seras candidat député. J'ai dit, ah maman, moi je n'aime pas trop ces jeunes. Non. Donc c'était vraiment quelqu'un qui m'a encouragée. Et si j'ai commencé à avoir le courage de venir, de participer dans des activités, d'être là, c'est à cause d'elle. Elle était toujours là, en train de m'encourager. Un moment, elle m'appelle, viens m'accompagner, viens ici. Maman Christine, allons dans telle formation, maman Christine, faisons ceci. Donc, elle était... Merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, les obsèques de Madame Charlotte, donc le recueillement en famille biologique, c'est sur Drève de Selembao à Pigeon, numéro 10. Donc, comme c'est mercredi, il y aura une délégation ici qui va attendre les amis pour des précisions. Donc, ceux qui ne connaissent pas les lieux, les mercredis, l'après-midi, peuvent passer par ici. Nous allons nous organiser avec 2-3 bus pour ceux qui sont disposés. On va monter ensemble. Les mercredis, c'est la journée décidée en famille biologique. Nous serons là pour notre réveillon. La soirée de mercredi pour ceux qui le voudront jusqu'à jeudi matin. Je profite de l'occasion pour demander aux combattants, aux combattantes, militantes et militants, que quand nous serons en famille, nous devons savoir respecter la mémoire de notre vaillante combattante qui nous a quittés. Être discipliné, ordonné, pour que nous puissions refléter l'image des valeurs qu'elle a prônées tout au long de son combat. Je vous remercie. Général de notre parti. Nous devons comprendre que le programme de famille à Sali, famille honorable Massia, ma personne a mis au parti politique décidé. Mokolowana ya mercredi, pour tout ça, la veillée où il y a bisou. Veillée à Bato Nyonso et Bosalama dans la nuit du 24 au 25. 25, Mokolo, il va vous lever corps. Mais famille, après ce bisou, Mokolowana, il y a misato. Tout ça, donc, épelé. Tout le monde dit le pango. Tout la qui s'en a famille, peut la battre nyonso. Ce que honorable Charlotte Massiala, a salagi pour la biso, va la décider. Mokolo en a mis ça et pour salama. Musique qui fait dengue aussi de l'éla qui est kuna et pour sala. Quand la dengue secrétaire général à Outi Koloba, nous allons faire preuve de beaucoup de discipline. Pour la voilà qui s'en a que partie n'a pas décidé. Ils ont parti à ma valeur. Mais tu es dit que tu es un peu de temps. Parce que tu es un peu de temps et tu es un peu de temps pour un peu de temps. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire. Pour que donc Ndeko se prépare pour la Mokolo il y a mercredi. Donc, chers camarades, ma militante, ma combattante, fait ces mesures par la façon dont le groupe pleure ses combattants, ses combattantes. Nous devons, à travers cette disparition, que nous sommes capables d'union des destins. Nous sommes capables de promouvoir la valeur de solidarité, de respect mutuel, aussi bien pendant que nous sommes en vie qu'après la vie. Nous avons perdu un baobab. Et nous devons rester concentrés et faire réellement le deuil. Donc nous sommes là pour veiller avec l'orchestre, plusieurs témoignages, des projections jusqu'au petit matin. Je vous remercie. Okay.
Mama, 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 mama